Bon, c'est parti pour la deuxième couche. Je vais vous donner quelques petits conseils je vous parle un peu des produits que j'utilise. Donc, bien sûr, j'ai poncé la première couche de gel coat au grain 120 pour égrainer. J'ai pas poncé, j'ai égrainé, on va dire, pour enlever les petites aspérités qu'il pouvait y avoir à certains endroits. Indispensable quand vous faites ça, des gants. Quand vous faites de la résine et tout, achetez des grosses boîtes, hein, vous ne prenez pas la tête. Des pinceaux, pareil, des pinceaux, premier prix, c'est de l'usage unique, c'est quasiment pas possible de les nettoyer, en tout cas c'est une galère pas possible. Du coup, des pinceaux, premier prix, c'est juste pour mélanger, pour appliquer. Voilà. Et au niveau des rouleaux, j'utilise pour appliquer la résine, j'utilise des rouleaux avec des poils. Par contre, pour appliquer le gel coat, j'utilise des rouleaux en mousse. Ça permet d'avoir un résultat qui est un petit peu mieux, je trouve. Et on n'a pas ces peluches qui se décollent là sur le rouleau, qui laissent des traces. Donc ça va bien avec la mousse. Que dire de plus? Le top coat que j'utilise, je vous mets un lien dans la description. Je le prends chez Key West. Si vous faites une restauration, prenez 5 kilos, vous en aurez besoin. Tac, de l'acétone et masque de protection. Parce que là, les vapeurs et tout, c'est bien bien nocif. Quand on voit la liste des effets, on met le masque. Ensuite, pour le catalyseur, je vous conseille de prendre une petite seringue. C'est plus facile à doser et c'est plus rapide. Ça prend assez vite. Donc attention sur le catalyseur, pas en mettre trop. Voilà, je catalyse à 1,5% moi, et sachant que là, il fait une dizaine de degrés. S'il fait plus de 15 degrés, c'est compliqué de faire ça. Ça prend très 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 vite sinon. Donc là, entre 10 et 15 degrés, c'est parfait. Une balance pour peser, et puis c'est parti, on va préparer. Je prépare par portion de 200 grammes. Ça me laisse le temps de l'étaler avant qu'il commence à trop durcir. Et ensuite, j'en refais au fur et à mesure. Si j'en fais plus, le problème, c'est qu'il commence déjà à prendre, à figer, il s'épaissit. Et on n'a plus quelque chose de propre. Donc allez, c'est parti, on va faire la deuxième couche.